Voici notre fraction de plastique purifié en provenance des petits appareils en mélange livrés par Récupel. Et ici, nous avons une pièce automobile, typiquement la boîte à gland de la Fiat 500, réalisée avec ces matières. Nous livrons également ces produits vers la filière de production des appareils électroménagers. Depuis le 1er juillet 2022, un petit électroménager sur deux collecté par Récupel arrive chez Comet Traitement, tel que celui-ci, pour y être recyclé. Avant d'être recyclé, notamment par des étapes de broyage et puis de séparation mécanique, ces petits électroménagers doivent être dépollués pour des raisons environnementales notamment. On fait la dépollution, on tire les batteries dans les télécommandes, donc on enlève les piles, on coupe les câbles, on met à côté. L'ensemble des composants extraits à cette étape de dépollution va être envoyé chacun vers des filières spécialisées de recyclage et de valorisation. Les premières étapes de récupération chez Comet Traitement seront de récupérer les fractions métalliques ferreuses et non ferreuses. Et ensuite, nous aurons un mélange des différents plastiques. Il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine de types de plastiques différents en fonction des propriétés voulues. Soit certains plastiques sont plus souples, d'autres seront plus brillants. Sur l'ensemble de la chaîne des valeurs du petit électroménager, Récupel joue évidemment un rôle essentiel, notamment via la collecte au travers de toute la Belgique, mais également via la livraison de ces petits électros sur nos différents sites de traitement. La haute qualité des plastiques atteints chez Comet Traitement permet de produire de nouveaux appareils électroménagers que vous trouverez dans vos magasins. Récupel ? Repartons de plus belle.